ravie de vous retrouver pour un nouveau haul action et je vous avoue que là j'ai tout sur moi. Ce sera pas forcément que action, il y aura aussi du Z-Man, et oui ça s'écrit 2 E, donc ça se prononce Z-Man. Et je vous avoue que j'ai trouvé des petites choses intéressantes. Donc la première chose avec action, c'est du joli papier cadeau. Je me rappelle plus les prix, je vous avoue. Voilà, déjà il se fait la malle, tu vois, et puis je fais le bazar. Donc clairement il est rose et il est juste sublime parce que effectivement j'en ai pas vraiment du papier cadeau. Et je me dis que si toutefois ben, à l'avenir j'avais besoin, et ben au moins j'en aurais. Donc voilà, très girly. Alors vaut mieux pas que ce soit pour mon fils, hein, parce qu'il va faire du boudin s'il voit que c'est rose. Quoi qu'en même temps, lui il s'en fiche. Hein. C'est ce qu'il y a dedans qui compte hein, quand même. Donc voilà, un sublime paquet cadeau qui peut aussi servir pour messieurs de. Comme un martinet, tu vois, juste le bâton pour se faire battre. Dans la même lancée que pour les paquets cadeaux, j'ai trouvé ces rubans trop magnifiques et ces petits nœuds, voilà, dans la lignée de ce que j'aime, voilà, les couleurs que j'aime. Je pense que clairement ça finira aussi dans les photos Instagram parce que c'est vraiment trop joli. Donc pareil, ça j'ai dû le payer ouais, peut-être 1 € des brouettes, voilà, vraiment pas cher. Donc honnêtement, pour la beauté du ruban, il n'y a pas de souci. Je me suis fait plaisir, j'en ai pris 2. Ensuite, j'ai trouvé cette nouveauté. Alors pour les mamans, ça va juste être de la balle. J'ai regardé au niveau de la compo, donc il y a du phénoxyéthanol, malheureusement. Mais dans le sac, j'en ai pris 2 parce que ce sont des gants de toilette en fait. Des lingettes gants de toilette. Si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, quand tu pars quelque part et que ton fils veut pas la lingette, tu mets ta main dedans et tu fais avec le gant. Ça évite que la lingette, elle rippe et tout. Et c'est une très belle nouveauté que j'ai trouvée. Donc voilà, il y en a 20 à l'intérieur et ça dépanne vraiment bien quand t'es, par exemple, au lac ou que tu fais une sortie, etc. Tu galères moins. Voilà, clairement. Je passe à ces friandises qu'adore Hugo. Ce sont des petites saucisses Bifi. Voilà, ce sont... il y en a aussi au Luxembourg. Ce sont en gros des salamis en barre que tu peux croquer, voilà, donc lui, je lui mets ça de temps en temps dans chez la nounou, en fait, et il préfère manger ça à 4 heures que du sucré. Donc voilà, et ça, ça coûte, je crois, 79 centimes ou quelque chose comme ça, donc vraiment pas cher non plus. Ensuite, j'ai trouvé une petite bouteille, parce que si vous voulez, quand on est dehors sur la terrasse, c'est pour le Ricard, voilà, malheureusement, voilà, parce qu'il y en a qui boivent de l'alcool, et ben j'ai pas de bouteille pour mettre de l'eau. Voilà, au frais. Donc là, tu remplis d'eau, tu mets au frais et t'as ça de prêt pour tout ce qui est complément. Voilà, parce que sinon, nous, on boit de l'Evian. Mais pour les Ricards, tout ça, tout ce qui accompagne voilà, les alcools, ou ben voilà, c'est de l'eau du robinet. Donc, je me suis acheté cette petite chose et elle était, il y a 500 ml à l'intérieur. Elle est en plastique, mais super dure avec un bouchon en alu et vraiment, elle a l'air robuste. Donc, ben, ça m'a beaucoup plu. J'ai pris pour mon chéri doux une trousse pour aller chez la nounou avec un gobelet et une brosse à dents, voilà. Et j'ai pris le dentifrice qui va avec, le Colgate, pour les enfants de 2 à 5 ans. Donc clairement, comme ça, il a son jeu de brosse à dents pour aller chez la nounou. Et ça m'a vraiment pas coûté grand-chose non plus. Et pour le coup, c'est une girafe, voilà, tout simplement. Donc j'ai voulu faire un petit plaisir à mon doudou. Et vu que lui, il adore se brosser les dents, bah du coup, j'ai opté pour ça pour chez la nounou, quoi. Ensuite, j'ai pris des lingettes pour les toilettes, voilà, pour les enfants, donc pour les aider à, vous savez, éliminer, voilà, les petites taches plus facilement qu'avec du papier traditionnel. Et il n'y a pas de compo dessus, donc est-ce que je suis fatiguée et il est tard et je la vois pas, mais dans tous les cas, je vous en dirai des nouvelles. J'ai pris des patchs pour le nez pour les tester, voilà, c'est les patchs traditionnels et comme ça, je vais pouvoir voir si j'ai des points noirs sur le nez. Et comme vous le savez, ceux-ci sont vraiment pas chers, donc on verra bien, il y en a 6 à l'intérieur, pourquoi pas tester. Ensuite, j'ai pris 2 coca chérie, mais là, c'est vraiment pour la dégustation, parce que je vais mettre ça au freezer. Quand il fait chaud, de temps en temps, ça fait du bien de boire sucré, voilà. Clairement, je suis pas la plus fan des boissons sucrées, en général, on boit beaucoup d'eau d'Evian à la maison. Mais quelquefois, ça fait quand même un petit peu du bien, de voilà, psychologiquement, de se dire qu'on se prive pas de tout, voilà. Donc c'est bien beau de prendre soin de soi, etc., d'avoir une belle peau, de boire beaucoup, mais à un moment donné, t'as juste des envies aussi. Et là, le coca chérie, c'est juste un péché mignon, donc faut pas que je passe chez Action parce qu'il y en a plein, plein. La dernière chose de chez Action, et je suis passée, j'ai trouvé ça trop mignon, c'est un kit en gros de baume à lèvres pour les petites filles, voilà, et c'est trop beau.
Et je l'ai pris en fait pour la déco parce qu'il y a un cheval avec une queue toute pailletée qu'il y a dessus. Enfin, c'est juste magnifique. Le packaging est tellement beau que t'as juste pas envie de le déballer et que ça va aller en déco, je pense. Voilà, simplement. Et c'est trop magnifique. Et en plus, sur chacun, bah là, il y a un petit hibou et puis là, il y a un petit canari ou je sais pas ce que c'est. Voilà, petit pierre piouf. Donc c'est trop rigolo. Ensuite, je passe à ce que j'ai acheté chez Ziman. Et là, ben, sans surprise, vous avez un t-shirt pour le boulot blanc, hein, clairement, à ma taille. Voilà. Donc ça, c'est sans surprise, ça coûtait 2 euros et des brouettes. Ensuite, ben, ça, je l'ai pris chez Action et c'est une carte 3D en gros. Voilà. Someone special, quand vous avez un petit truc à écrire, etc. Voilà, c'est bien d'avoir des cartes. En stock et pour le coup chez Ziman ben, j'en ai trouvé deux que j'ai trouvé jolies et que je vais garder pour tout ce qui est mes photos Instagram. Voilà, donc, il y en a une qui dit enjoy the little things, donc things, sorry, donc profite des petites choses, et une autre qui dit comment allez-vous, how are you doing, voilà, tout simplement. Donc une en rose, une en bleu, c'est magnifique. En gros, je me tape un peu des délires en ce moment sur mes photos Instagram, donc je vous invite à y aller. Et finalement, j'ai pris ça pour faire un peu des décos, etc. Et c'est top. Ensuite, j'ai pris des pens comme ça, en fait, c'est pour faire de la calligraphie, pour voir si, effectivement, la prochaine fois, je prends des cartes chez Action, en fait, prédécoupées pour mettre sur mes photos Instagram, si je suis capable de faire de la calligraphie, donc avec ça. Voilà, c'est des plumes un peu comme les plumes chinoises pour faire de la calligraphie. Et j'ai pris rose et forcément bleu, vert, eau, quoi. Toutes les couleurs qui me... Enfin, violet ici, mais toutes les couleurs qui me correspondent plus ou moins finalement pour mon Instagram. Et là, je passe à un set donc de chez Ziman à 1,29€. C'est un set, en fait... De secrétariat, en fait, de kit papeterie fantasy. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je l'ai vu, j'ai tout de suite voulu l'avoir. En plus pour le prix, donc je me permets de l'ouvrir. Donc en gros c'est un rouge à lèvres stylo, tout simplement, avec un bloc-notes en forme de lèvres, tout simplement. Et ceci est un... Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Je ne sais pas. Ah oui, c'est un fluo quoi, un marqueur fluo. Ouais, je suis trop contente, c'est trop joli. Ouais, pour 1,29€, franchement, ça fait la blague. Donc ça, bah voilà, je vous le shooterai certainement sur Instagram, clairement. Bon, bref, la beau fille. Bref. Je passe très vite à la fin de cette vidéo pour vous montrer un headband, mais qui finalement finira bien entendu sur les photos. Voilà, Instagram. Voilà, c'est juste parce qu'elles sont magnifiques, elles blanches avec des strass à l'intérieur. Donc ça c'était chez Action et je l'ai déjà déballé pour voir si je pouvais la caler dans une photo, mais en fait je pouvais pas. Ensuite j'ai pris des clips donc en forme d'étoiles et de cœur chez Ziman qui m'ont coûté 99 centimes. Donc vous en avez 5 à chaque fois, 5 de chaque sorte, donc 5 étoiles et 5 cœurs pour mes photos Instagram. Et j'ai trouvé, mais ça vous pouvez aussi vous l'acheter pour les événements ou pour tout ce qui est booking, enfin vous savez les scrapbooking pour les bébés quand vous avez un enfant, parce que en fait c'est tout ce que vous avez, les étapes en fait pour les bébés, donc à 4 mois, à 12 semaines, vous avez à 10 mois, à l'âge de 10 mois, mon premier anniversaire, mon premier sourire. Mais si vous voulez, en fait moi je les ai pris pour mon Instagram toujours, parce que à chaque fois on peut finalement remettre avec un produit qu'on aime bien, mettre par exemple un thème, par exemple pour la brume de chez Garnier, ben, je vous avais mis mon premier bain, voilà, tout simplement. Pour mettre en relation, voilà, le bain avec le fait de se protéger la peau. Enfin bref, tout ça. Et elles sont juste canonissimes, ces cartes-là. Donc même si vous voulez faire du scrapbooking, enfin je sais pas, derrière c'est blanc, vous pouvez écrire ce que vous voulez ou envoyer des cartes à quelqu'un ou à votre sœur ou à votre belle-sœur ou voilà. Je trouve ça super. Voilà, donc là c'est je peux dire maman, je peux dire papa. Enfin c'est juste...
Là, c'est je peux manger moi-même. Enfin, vraiment, elles sont super. Mon premier Noël, enfin, ces cartes-là sont géniales. Je peux m'asseoir. Enfin, je vais pas vous faire l'ensemble du truc. Mais il m'a coûté, je crois, 4,99. Ouais, 5 euros en gros pour tout le tas. Et ça vaut le coup parce que moi, je vais les garder finalement pour faire mes photos. Donc, plutôt pas mal. Un bon investissement, je pense, pour l'avenir. Donc voilà, ben j'en ai fait le tour de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Pour le coup, on va tabler sur ce mot-là. Voilà, c'est mama. Mama, comme mot du jour. Tout simplement, si vous arrivez sur cette vidéo, vous ne savez pas du tout ce qu'est le mot du jour. C'est en gros mieux qu'un like. Mais si vous voulez liker, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Mieux qu'un abonnement, parce que finalement, bah, les abonnements YouTube vous désabonnent. Hein. Vérifiez bien d'ailleurs que vous êtes toujours abonné, parce que je pense que vous aurez des surprises en voyant que YouTube vous a désabonné tout seul. Hein, on ne sait pas pourquoi. Et mettez la cloche. Mais mieux que ça, vous pouvez mettre mama. Et moi, je vous enverrai un gros cœur. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire avec voilà, les cartes à l'intérieur. Mais en gros, je vous envoie un gros cœur pour vous dire que je vous aime à la folie. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très très bientôt. Bisous. Ciao.